Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le premier jour du calendrier de l'Avent 2018 et je vais ouvrir le calendrier de l'Avent Animators Connection Littles. Donc je l'ai acheté sur le shop Disney pour 30 €. Donc voilà. Et donc il est en forme de sapin et je trouve ça super joli. Donc sur le côté, donc ici déjà c'est brillant argenté. La guirlande, et ouais, bon, là vous voyez un peu comment il est, mais vous allez le voir. Hein. Hop, ah oui, et sur le côté il y a Belle et Ariel, c'est trop mignon. Et donc il y avait un scotch ici, hein. Et voilà, on le descend comme ça. Alors il y a un petit décor ici. Ah, je crois que. Ah oui, je l'avais vu, on le voit derrière un peu. Oui, c'est des décors qui, en fait, peuvent se soulever. Alors, désolée si j'ai du mal là, du coup. Alors, parce que derrière la caméra, alors pour vous montrer ça, alors est-ce que ça tient bien au moins? Oui. Donc. Si vous allez bien voir la mise au point, s'il vous plaît, ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, je crois que vous voyez pas les découpes. En fait, il y a des petites découpes dans le décor. Mais il n'y en avait pas là où je montrais. Il y en a ici, là. Ouais. Et du coup, on peut monter le décor. Alors, est-ce que je vais bien y arriver? Je pense que je vais couper la caméra, je vais monter le décor et après je reviens pour vous montrer ça. Voilà, alors tout n'est pas redressé, hein, j'ai juste redressé celui-là. C'est juste que on s'est rendu compte, donc j'ai demandé l'aide de Zachary, qu'en fait il suffisait d'enlever les petites languettes. Il y avait des petites languettes comme ça ici et après c'était facile à redresser. Donc du coup vous voyez là qu'on a enlevé les languettes. Et du coup, il suffit de passer le doigt et redresser. Vu que c'est prédécoupé, ça passe nickel. Et du coup, ça va, c'est plus facile forcément. Mais j'avais un peu de mal toute seule. Du coup, voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Donc je vais redresser tout ça et je reviens. Voilà, donc tout est redressé. Bon, déjà, moi... Les décors en carton, c'est vraiment pas mon truc. Un des drapeaux là, normalement il est censé avoir un drapeau ici aussi, comme ici, mais c'est tout petit, ça s'est déchiré malheureusement, et ouais, et ça fait pas très Noël quand même, je trouve. C'est un peu dommage. J'aurais préféré que ce soit un décor de Noël, même si forcément là au milieu c'est. Dans la Reine des Neiges, donc Arendelle, donc forcément là ça va, ça fait Noël, mais ça fait au moins de la neige quoi. Mais sinon, ouais, je suis un peu déçue de ce qu'il y a devant pour l'instant. Et puis bon, c'est quoi cette chaise juste devant, je sais pas, ce fauteuil, je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais bon, donc je vais vous montrer comment le reste, c'est comme ça. C'est un peu gros, j'ai du mal avec mon décor. Alors, je vais carrément rapprocher là. La caméra. Voilà comment c'est. On voit les cases. Un petit peu difficile à montrer, ouais, avec vu comment c'est grand. Voilà, je vais ouvrir du coup le premier. Allez. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'être un personnage. Déjà, moi, j'ai pas trop regardé, donc j'espère
Un truc que j'espère, c'est que c'est pas les mêmes personnages que ceux qu'on a déjà eus dans les. Dans les packs et tout ça, quoi. Les playsets et les blind bags, les crayons. Mais j'ai peur que ce soit les mêmes, quoi. J'aimerais que ce soit les mêmes personnages, mais sur le thème de Noël. On va voir. Et on a. Ah! Alors. C'en est un qu'on n'a pas, donc moi ça me va. Donc c'est Flynn Rider, hein, je pense. Oui, c'est Flynn. Du coup je ne l'ai pas, donc moi ça me va. Il y a des touches de doré dans ses cheveux, ça fait un petit peu bizarre. On dirait qu'on lui a peint des mèches dorées, ou qu'on a essayé de lui mettre du doré dessus. Peut-être pour faire Noël du coup. Je sais pas. Mais en tout cas, je suis contente. On a un que je n'ai pas. Donc ça, c'est parfait. Moi, je suis contente du coup. Du coup, on peut le mettre dans le décor. Voilà. Donc ouais, très contente du coup de ce premier jour. Et du coup, on se retrouve d'abord tout à l'heure pour une vidéo normale de Shopkins et on se retrouve demain pour le jour 2. À tout à l'heure!